Allez, salut à tous les amis, c'est Lantouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite aventure sur Black and White, en tant que dieu du bien, oh yeah, toujours face aux japonais, rien n'a changé, toujours des moutons sur les prairies, toujours des citoyens allant se reposer sur le bord des fontaines, oui, et traversant les fontaines aussi, oui, tout à fait, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, en ce jour, je vais sacrifier un mouton. Voilà. Ouh, putain, ouf, là, j'ai dû lui péter la colonne et toutes ses pattes. Bref, un petit tac diabolique avant de repartir dans les... Dans les méandres du bien. Ça veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas très grave. Donc toi déjà, tu as faim, mon petit Wolfgang. Petit Wolfgang. Allez, on se presse. J'ai envie de finir ce... Merde. Oh putain, je me suis bourré. C'est pas ce que je voulais faire. Vas-y. Viens, Jackie. Allez. Prendre. Manger. Voilà. Donc moi ce que j'aimerais bien faire là c'est de se manier, de terminer ce royaume une bonne fois pour toutes parce que j'ai envie de passer au suivant là. La présence des ennemis est étrangement très importante au niveau de mes murailles. Heureusement j'ai fait les archers. Alors là vous ne pouvez pas dire que je ne les ai pas fait, ils sont là voyez-vous. Et ils sont un petit peu buggés aussi, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. D'ailleurs, ils sont, j'avais dit, ils sont 70, il n'y en a pas un qui est mort pour l'instant, pour le moment. Et ils sont juste en train de massacrer les types qui se rapprochent trop près. Vous voyez, il y a un tas de cadavres partout. Bon, eux, ils en ont rien à péter, mais ils peuvent plus bouger vu que bah toutes les issues sont fermées. Ici, j'ai fait un mur, ils n'ont plus la possibilité de passer. Bon, le mur qui est légèrement buggé aussi, mais c'est pas grave, les bugs. Ce ne sont que des détails dans ce jeu, voyons, il est tellement beau, il est fou, complètement fou. D'ailleurs, en parlant de Black and White 2, ça me fait penser à autre chose. Vous savez sans doute, enfin je sais pas si vous le savez, mais moi je le sais pour le coup. Donc le créateur de Black and White 2, qui est aussi le créateur de Fable pour ceux qui connaissent une autre licence, de Lionhead Studio, le créateur de Black and White 2, alias Peter Molyneux, s'est donc cassé de chez Lionhead, si on parlait vulgairement. Il s'est barré pour créer un studio indépendant avec d'autres mecs. Je sais plus si le studio était déjà présent et s'il l'a rejoint ou alors il l'a créé avec d'autres mecs. Je sais plus exactement. Donc il s'appelle 22 Cans, un truc comme ça, 22 Cans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont décidé de créer un nouveau God Game qui s'appelle Godus. Et que mon cher ami Uli67, ou je sais plus le numéro après, tu m'excuseras Uli, mais qui m'a offert le jeu. Il m'a offert le cadeau en jeu, le cadeau en jeu, oui, le jeu en cadeau comme ça, alors c'est très sympa à lui. Et vu que là, donc il me l'a offert il y a longtemps, le problème c'est que le jeu est encore très récent, il est au tout début de, enfin peut-être pas au tout début, mais bon, il est quand même, cela étant dit, je veux dire, il a un stade assez avancé, mais il reste quand même très très limité pour l'instant. Hein, il y a plein de fonctionnalités qui n'ont pas encore été apportées au jeu. Et donc, au moment où il me l'a offert, le jeu était clairement pas intéressant à montrer. Quoi. Clairement pas, hein, je vous le dis direct. Mais ils ont récemment fait 2-3 mises à jour qui sont vraiment déjà beaucoup plus intéressantes et qui rehaussent l'attractivité pour du jeu, en fait. Ce qui m'a donné envie de m'y pencher un peu plus et je pense vous faire une petite vidéo découverte, pas test hein, parce qu'on peut pas vraiment faire test, une vidéo découverte sur ce jeu pour vous présenter les points positifs, qu'est-ce qui va être les nouvelles fonctionnalités qui seront apportées au fur et à mesure des updates, et il y aura du multi, ça je vous le dis dès le début d'entrée hein. Déjà c'est cool, rien que d'entendre le mobilité, moi ça fait ouh là là, sachant que c'est un god game, vous allez voir. Ils ont pas fini de montrer les fonctionnalités du jeu, mais à mon avis c'est assez prometteur. Bon pour l'instant c'est limité comme je vous l'ai dit juste avant, mais on verra ce que ça donne dans quelques mois. Mais déjà le jeu est devenu plus intéressant grâce à deux trois petites updates. Et voilà, donc je pensais vous le présenter peut-être sur une vidéo, petite vidéo découverte, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Comme ça, qui anticipera... peut-être un futur let's play pour remplacer Black and White. Voilà, ceci étant dit,
que sont mes objectifs, oui. Alors il reste ce village, bah ce village qui va bientôt, ouais. Ah non, quand même, hein. Il y a deux tendances. Il y a une partie du village qui veut se barrer dans ma ville, et il y a l'autre partie du village qui veut se casser chez les Japs. Du coup, bah c'est pas très... Non, les mecs, non, faut... Attendez, oh. Bah, je crois que c'est mal compris. Il reste combien, prestige? 3000, ok. Il faut du bâtiment public. Là, il n'y a pas de secret, le bâtiment public, quoi. Ou alors les lanternes. C'est vrai que j'ai pas construit beaucoup de lanternes, mais, voire pas du tout même, quasiment. Il faut dire que au niveau minerai, au début du jeu, c'est serré, hein. Faut serrer les miches, comme on dit. Et bah, on pense pas du tout, hein. On pense pas du tout à tout ce qui est décoration, ornement et j'en passe. Voilà, on économise les ressources et les lanternes ne sont clairement pas des priorités. Au même titre que les fontaines, bien évidemment. Ah bah tiens, ça fait penser, j'ai oublié de mettre des marchés. Oh bah tiens, des marchés. Et ça pourrait être une excellente idée pour augmenter le prestige. Surtout que là, en plein centre-ville, où ça doit rapporter un petit pactole de prestige, si je puis dire ainsi. Ah oui, merde, par contre, la crise du logement. Crise du logement! Crise du logement! Regardez-moi cette statue! Je suis à... Attendez. Putain. C'est quoi? Pourcentage de la ville dans l'armée, 12%. Sérieusement? Genre, le petit bataillon d'archers, il représente 12% de ma population. Ouais, bon, bah, faut dire qu'on n'est pas énormément dans ce petit village. Mais quoi que, regardez, il y a de la vie, c'est beau à regarder. Hein. Vraiment, c'est très agréable. Bon, bah, ils veulent des maisons, et écoutez, je vais continuer. C'est pas très joli. Ici, je vais décorer moins 36. Ça me fait perdre du prestige. Je ne sais toujours pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Ah, ici, si j'augmente. C'est bizarre. C'est vraiment très étrange, je sais pas pourquoi je perds du prestige. Bah, on va continuer à en perdre, de toute façon il faut qu'on s'étende, là on n'a pas le choix. Le problème c'est que c'est vraiment contraignant ça. Ici je vais décorer, ouais bon si vous voulez vous dormez un peu dans la rue, c'est bon. Hein. Ça va quoi, il fait beau, il fait chaud, là, dormir là-bas le toit, out de soir, enfin une ou deux nuits là, c'est bon quoi, tu le fais tranquillou. Voilà. Cette maison est fort mal placée. Ouais, du coup, je peux pas me faire... Non, là, je suis dégoûté. Je suis bité, comme on dit. C'est une expression très, très moche. Bon, on va continuer par là. D'accord, ok. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Allez, petit à petit, on se rapproche vers une zone attractive, peut-être. Vraiment, j'ignore pourquoi je perds du prestige dans ces zones. Dans ces zones, pardon. En tout cas, le principal, c'est que, j'allais dire, je construise des logements pour loger ma population, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, oh, pas mal, la petite colline. J'avais pas vu. Ah oui, effectivement, le relief est un petit peu prononcé, ici. Oui, c'est vrai que de haut, comme ça, vu d'en haut, on dirait pas, là, c'est, on pourrait dire que c'est plat, quasiment, hein, s'il y avait pas une différence de texture, ici, avec des rochers sur les côtés. Clairement, on n'aurait pas deviné le relief. Mais bon, mine de rien, le terrain n'est pas très plat ici. Vous voyez, le truc, il est tordu. Les maisons sont tordues. Oui. La maison, elle est bancale, oui. Bon, c'est pas très grave. Plus 103. Ah, ils font du tir au pigeon, là. Oh, regardez-moi comment ils sont concentrés. On m'a dit aussi d'acheter d'autres pouvoirs. Genre le feu et tout. Mais le problème, c'est que ça va me faire le mal si je les prends. Ça, c'est con. Ou bouclier, je suppose que ça fait la même chose. 22 de prestige. J'avais dit que j'allais construire des marchés. Toutes sortes de marchés. J'avais dit marché des poteries, marché aux statues, marché aux plantes. Pourquoi ils construisent pas ici d'ailleurs? Je ne sais point. Ici j'ai envie de faire un chemin. Et je peux pas. Et je peux pas pour des raisons qui me sont complètement obscures. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. D'ailleurs, elle est complètement bloquée, la pauvre, là. Faudrait que je construise un enclos. Oui, un enclos serait bien, ouais. Ah, ici, je gagne du prestige. On va les mettre là, les marchands. Alors, marchand plante. Et marchand de statue. Comme ça, on aura plein de petites plantes.
Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là, non? Ils m'ont déraciné un arbre. Voilà, non. Ceux-là, vous ne les coupez pas. Ce sont des arbres destinés à la décoration. Et à l'ornementation. Je sais absolument pas ça. Ici, je vais mettre des prairies parce que c'est vraiment hideux. On va enjoliver un petit peu le tout. Ben c'est où décidément les prairies? Prairies, évidemment, c'est le dernier truc. Ici, je mettrai pas de. Enfin, si je mettrai des fontaines, mais. 2 minutes. Voilà, ici, c'est plus vert comme ça fait un aspect très joli. Ici, on va augmenter la fécondité, toujours très très important. Hein? Là, on va booster les naissances, hein, c'est le cas de le dire, hein. Ouh là là, ici ils aiment pas du tout là. Je sais pas pourquoi. Oh bah tiens, je construis. Voilà, non, on va faire plus de villes là. Non, mais c'est vraiment très très étrange. Genre, j'ignore totalement pourquoi ils détestent. Si vous pouvez me le dire, hein, ce serait cool. Du coup, ouais, ils campent chez moi là. De toute façon, on les aura à l'usure. Hein. Ils vont s'amasser, mais tant que je vais construire, tant que je vais me développer. Je vais gagner du prestige et forcément ils finiront par venir de leur plein gré. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que non, c'est pas l'heure. Il est quelle heure au fait? Je crois que c'est. Ouais, c'est bientôt le. Déjà? Il me paraît un peu tôt quand même le coucher de soleil là. Attendez. D'accord, il n'y a pas de soleil. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on avait dit qu'on construirait ça. Ça va nous faire du prestige. Il faut absolument. On va les aider parce que sinon ça va prendre 30 ans. Faudrait que j'augmente peut-être le nombre de bâtisseurs. Ce serait intéressant. Bah tiens, toi tu fais rien. Je t'ai trouvé une occupation, mon cher Wolfgang. D'ailleurs, il va falloir que je reprenne, pardon, ton éducation. Parce que là, il y a du laisser-aller, hein. Ouh, 456 de prestige, je l'avais dit. 458, bah voilà, c'est bon. Ça, c'est parfait. Ah, flûte, j'ai pas assez de. Ah non, c'est du bois qu'ils veulent. Qu'est-ce que. Non! Ah, putain, il a déraciné l'arbre. Mais putain, quel con. Bougre, vieux bougre. Voilà. Non, Ah merde, évidemment, il veut plus me replanter normalement. Du coup, ici, c'est du bois qu'il faut. Ah bah, c'est parfait. Je sais pas qui a amené autant de bois, mais. Ça me plaît. Et voilà, et on a. En tout, on en a pour 1200 de prestige. Rien qu'avec ces trois marchands, on aura plein de pots. Des pots partout. Plein de pots. Et des plantes. Plein de plantes. Plein de plantes. Je vais augmenter le nombre de. Ah, bah tiens, il y a un mec qui vient de crever sous mes yeux. Ce monsieur qui est mort. Oh putain, il vient d'agoniser, mort de vieillesse. Il s'appelait comment? Oui. Pardon, excusez-moi, pardon. Oui, pardon. Georges! Oh putain, c'est un japonais, il s'appelle Georges. Il s'appelle comment? 3G pour être un disciple? Le mec, il est décédé de ses 3G pour être un disciple. Non, tu travailleras même dans ta mort. Tu n'auras pas droit au repos éternel. Oh, ils viennent tous le pleurer. Oh, c'est triste. Il a une petite boule de feu bien placée. Non, là, je redeviens maléfique. Il ne faut pas, il ne faut pas. Il faut résister à la tentation. La tentation, je vous dis. Faut résister. Ah, mais n'empêche, ça aurait été magnifique. Des météorites bien placées là. Bien calées. Ça aurait fait mal. D'ailleurs, pareil, hein, pour les Japonais stationnés devant ma porte là. La petite météorite et pouf! Les Japonais, ils auraient été dire bonjour à la lune, hein. Ils auraient dit bonjour à la lune, et voilà, et ils seraient partis, quoi. Et pas dans ce temps-là, on me place des lanternes. Là, mon objectif serait vraiment, je vous l'ai dit, d'attirer les populations du fond de la carte, là. Enfin, de la map. Enfin, les pécores qui sont là-bas, là. Vous m'avez compris? Jusqu'à ce que je finisse, quoi, qu'on attire la capitale, là. D'ailleurs, faudrait pas qu'ils nous... foutu un deuxième ouragan dans la face, ce serait vraiment chiant parce que ça me ferait prendre du retard et ça on en a pas vraiment besoin, c'est pas très voilà, ça ne servirait pas à nos intérêts. Tech des lanternes. Bon alors là je sais absolument pas s'ils vont les construire, ils en ont peut-être complètement rien à péter, mais pour moi c'est important.
Ah bah tiens, j'ai mis un puits d'ailleurs, faudrait que je le construise. Voilà, on va faire ça pour l'instant. En tout cas, ici, ça a l'air... Ouais, c'est sympa comme quartier, franchement. Franchement, ils exagèrent. Ils viennent de prendre un de... Ah, parfait. Est-ce que ce sont... Ouais, nickel, parfait. Oh, c'est parfait. Oh là là, c'est parfait. J'étais juste, c'est parfait. On va mettre deux fontaines ici parce que... Parce qu'ils le valent bien. Ici, on va en mettre... Là, voilà, parfait. On cale quelques fontaines. Des arbres ici, peut-être. Mais... Oula, pardon, excusez-moi. Des arbres bien placés, si je puis dire. On va laisser un petit... Evil. Ah, je peux pas planter. Il n'y a pas assez de place. Ah, je peux pas caler un petit arbre, là. Ah, flûte. Flûte et reflûte. Non, je peux pas, là. Il n'y a pas assez de place. Ah, bah si. Ah, bah si. D'accord, en fait, c'est un... Putain, mais en fait, j'avais complètement zappé, mais c'est un seul clic. D'accord. Oh, ben voilà. Des arbres bien placés, vous voyez ce que ça donne. C'est parfait. D'ailleurs, je sais absolument pas, je t'ai jamais posé la question, mais est-ce que dans Black and White 2, les arbres, enfin, nos citoyens peuvent repousser, faire repousser les arbres. Ils peuvent planter, en gros, hein. Eh bien, c'est une excellente question. Bah, je vais vous la donner en dissert, tiens. C'est un bon sujet de dissert, ça, non? Je déconne, c'est complètement pourri. Vous avez 4 heures. Voilà. Vous voyez comment ça peut... Comment les arbres peuvent étoffer un petit quartier. Ça devient très sympa, là. Ça fait un petit quartier écolo, là. Petit quartier écologique. D'ailleurs, ça fait penser... Je vais bientôt commencer des vidéos sur Anneau aussi. Parce que là, j'ai dit que je ferais plein de trucs. Mais bon, faut pas que je m'éparpille trop non plus, hein. Oh, mais regardez-moi ça, c'est pas... C'est juste classe comme quartier, vraiment. Oh, j'adore. Vous voyez, n'hésitez pas à utiliser des arbres comme ça. Ça peut... Vraiment, ça peut égayer un petit peu vos quartiers. Avec le soleil, c'est pas magnifique. Il manque plus que... Attends, j'ai pas mis assez de puits, là. Il faut plus de puits. Des puits. Oh, flûte. Voilà. Des petits puits. Des petits puits, puits. Petits puits ici, petits puits... Petit puits là, le petit puits ici. Il faudrait des arbres ici aussi. Exactement. Le problème, c'est que là, on commence à être un petit peu à court d'arbres. Si vous voyez ce que je veux dire. Evil. Good. Evil. Good. Evil. On va les planter histoire qu'ils soient pas pris pour cible. Cible d'abattage. Non, mais je trouve vraiment ce quartier très classe avec les arbres. Non, sérieux, c'est. Putain, regardez-moi la vieille. Ils ont même fait Parkinson et tout. Non, je rigole. Vous voyez, ils sont beaux les arbres. Quand même, il y a de l'effort sur les détails. Même regardez le lierre qui pousse sur les maisons. Bon, on est d'accord, la texture en soi est absolument dégueulasse. C'est du. Je sais pas ce que c'est, du JPEG ça, non? C'est. Ouais, c'est des. Non, je sais même pas ce que c'est, mais. Bref, pour l'époque, en 2005, bah, ça fait 9 ans quasiment. 9 ans! 9 ans! Ou 2006, je sais plus. Bref, quasiment une dizaine d'années, vous vous rendez compte? Déjà! Déjà! Et pourtant, regardez-moi la beauté de ce jeu, c'est pas magnifique! Regardez-moi ça. Attendez, avec le soleil, j'essaie de trouver un beau point de vue sur la colline. Attendez. Oh, c'est chaud à manier. What? Qu'est-ce qu'il vient de foutre? Merde. Oh shit. Je sais pas ce que j'ai fait là. Attends, il a balancé un arbre à l'autre bout de la ville. Il est sérieux lui. Et en plus, c'était un arbre qui était planté. Il a pas honte. Pourquoi il y a plein d'arbres ici? Non, mais je vous l'ai dit, en fait, il y a des arbres. C'est ça, voilà. Non, mais j'ai raison. Regardez, les arbres, ils repoussent. Ils plantent des arbres. Bah, ok, bah, je viens de répondre à ma question tout seul, en fait. Ils plantent des arbres. Quand vous plantez des arbres... ou alors, c'est les citoyens. Je ne sais pas du tout. Mais... Ouais, ça fait pousser les arbres. C'est génial! Regardez, avant il n'y avait rien là. Et en l'espace de quelques minutes dans le jeu là, vous voyez, c'est devenu très très arboré. Et par contre, bah cool, ça me fait de l'arbre à planter par ici. Mais par contre, je pense qu'il faut des arbres naturels. Mais regardez ici, c'était pas aussi, il n'y avait pas autant d'arbres. Enfin, si je me souviens bien. On va en faire pousser ici. Merde! Oh! Le con! Ah bah putain. Voilà! Ok. C'est pas beau ça! Oh, je suis fier de moi.
Ah, je suis fier de moi. Oui, je m'auto-congratule. Je sais pas si ça se dit en français, mais... Je m'auto-félicite. Je m'auto-réjouis. Il y a plein de termes, hein, si vous, pour définir ça. Ouais, vous m'avez compris. Mais là, je... Là, il faut le dire, je suis fier. Hein. Vous pouvez bien sûr prendre exemple sur ce petit quartier, on va dire, quartier développement durable. Vous voyez, avec les arbres, bâtiments en bois. Enfin, ça, c'est de la pierre. Regardez, peinture murale ancestrale. Puis de haute technologie. Puis où il n'y a absolument pas d'eau et... Bon bref, c'est pas grave, on n'a rien vu. Ce n'est qu'un détail. Temple magnifique. Bon alors celui-là, je vous avoue... Ah bah tiens, attendez. Ça me fait penser à un truc. Oh, ici, ils sont... Attends, mais ils sont cons. Regardez-moi ça, quoi. Oh, oh la vache. Si je fais l'erreur de sortir juste mes archers devant, ils se font démembrer. Par contre, là, ils feront un massacre. Le problème, c'est qu'ils sont trop loin. Ah non, ils sont pas trop loin, regardez. Hé, hey, regardez. Non? Mais... Bon, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est pas grave. Du coup, ils sont arrivés les autres là? Oh putain, oh là 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 là. Oh, ils en sont là, putain, ils marchent à deux à l'heure. Oh, vraiment, ils marchent à deux à l'heure. Bon, bah, c'est parfait, il nous reste plus qu'à capitale. Et la capitale qui tend déjà vers notre ville. Il reste 5000. Bon, écoutez, bah, les amis, on va construire, hein. C'est tout. Ah, bah, voilà, je regagne du prestige. Mais voilà, après, ouais, ça c'est un peu réduit, mais c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, le temple. Ah, par contre, il veut pas me les planter, ouais, il veut pas me les planter comme il faut, là. C'est étrange. Non, j'ai failli assassiner quelqu'un avec cet arbre. Ah bah lui il veut. C'est bien du coup si les arbres poussent. Mais c'est étrange ici. C'est très étrange. Ah y est, c'est déjà vachement plus beau. Mais arrête de déraciner les arbres, ville, vieux chenapan. En fait faut que je t'enlève la laisse. Non. Putain. Oh, il a une crinière. Putain, il a une touffe maintenant. Ça va finir par me ressembler. Eh. Faut que je t'enlève ce... Comment je fais? Libre arbitre. Ah, il a pas du tout de libre arbitre. On va la laisser faire ce qu'elle veut. Parce que j'ai mis la laisse construction, enfin bâtisseur. Résultat, la pauvre, le pauvre plutôt, bah, il fait rien de sa vie, quoi. Donc je vais le laisser s'amuser. Il va faire... voilà. Il va s'amuser tout seul dans les prés. Dommage qu'il ait pas de copain créature. Le tigre, il est méchant. Je trouve vraiment les arbres font limite tout, hein. Clairement. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. Hein. Il y a un aspect bleuté, il y a vraiment une atmosphère douce, quoi. Voilà, c'est le mot qui me vient. Doux, c'est doux, c'est agréable à regarder, c'est paisible. Ah, mais là, je suis fier. Hein. Je suis fier de ce quartier, je vous le dis. Je suis fier. Oh, c'est beau. Du coup, en plus, ça fait pousser les arbres. Regardez ça. Vous voyez, ça fait pousser les arbres. C'est le pollen. Non, je déconne. Si, sûrement, c'est la reproduction. C'est bien. Du coup, je peux me servir. Du coup, bah, voilà, c'est une technique pour avoir du bois à l'infini, finalement. Résultat. Hop. Voilà, on va faire pousser des arbres ici. Faisons pousser des arbres. Est-ce qu'il nous faut de l'arbre, là? Voyez, ici, on va essayer d'en caler un ou deux, là. Il nous en faudrait un. Voilà. Là. Tu vois. Un petit arbre ici. Vous voyez, ça manquait, là. Il y avait un vide. Et ben l'arbre. Voilà. Direct. Maintenant, sur tous les plans de vue. Ça fait quelque chose de joli. Bon, après, à la limite, ça... Putain, bon, qu'est-ce que... Oh là là là, ça va plus. Je pense que je vais refaire des marchés. Un petit quartier de marché. Bon, je perds du prestige et je viens de déraciner un arbre. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Voilà. On va en prendre le dernier. J'espère que... Ah, shit. Attends, ça, quand tu construis, ça fait un tremblement de terre, le truc. C'est un petit peu abusé, ça. Ok.
Bah, du coup, c'est un quartier charmant. Fort charmant, très charmant. Est-ce qu'ils ont encore besoin de maisons, Non, c'est bon, le besoin de maison a été satisfait. Le besoin de logement satisfait. Tu vas arrêter de bâtiment, ni sécurité. Sécurité, je sais absolument pas comment tu... Je pense que si tu subis des attaques souvent ou pas. Il reste que 4600 de prestige pour conquérir l'autre ville. Et bien, on va continuer à construire. On va faire des logements de riches parce que j'ai fait que 3 domaines. On va se faire un petit quartier riche. Un petit quartier riche dans cette zone. Voilà, et on va les aider à construire. C'est parti. Ah, flûte, j'ai pas eu le temps de choper l'arbre. Bah tiens, toi, tu m'as l'air d'être parfait. Passe-moi de ton bois. Jeune. Ouais, on peut se servir, c'est génial. Vous avez la technique pour faire du bois à l'infini. Après, ça se trouve, je me gourre complètement. C'est juste mes forestiers qui replantent. Mais je ne sais pas. Peut-être si vous le savez, bah dites-le moi dans les commentaires. Faites-moi pas dans les commentaires. Oh, j'ai plus de minerais. Ça, c'est problématique. Ici, ils ont toujours pas voulu construire. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je sais pas, c'est une zone pestiférée. Très étrange. En résultat, c'était des terrains vides. Bah écoutez, c'est pas grave. On s'en fout. Allez, hop. Je devrais faire plus de disciples bâtisseurs, comme je viens de le dire, mais comme j'ai dit juste avant. Voilà, et il nous faut du minerai. Allez, un petit peu de minerai. On va prendre... Ah, j'ai plus du tout de minerai, là. Ouais, c'est la merde. Ouais, vous m'avez l'air parfait, là. On va se faire une petite... disciple petite panoplie de disciples reproducteurs, et puis le reste. Disciple bâtisseur. Voilà, vous aussi, c'est pareil. On va vous amener là-bas. Disciple bâtisseur. Voilà, bâtisseur. Il nous faut du bâtisseur. Toi, tu me seras parfaite pour faire disciple un reproducteur. Reproducteur. Ouais. Il faut disciple renouveler. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, flûte. Reproducteur. Voilà. Il faut disciple renouveler un petit peu reproducteur. Les disciples. Disciple tac. Reproducteur. Non, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Non, je ne sais pas ce que j'ai pris. Reproducteur. Disciple reproducteur. Tu seras parfaite en tant que reproductrice. Disciple voilà. Reproducteur. Voilà. Voilà. Ça c'est parfait, il manque quelque chose ici. Il manque la lumière d'une lanterne bien placée, si vous voulez mon avis. Oh, quel beau bruit, magnifique. Le problème c'est que je peux pas faire de lanterne, il manque de la lumière par ici. Oh, un truc super joli. Petite lanterne en plein milieu. Regardez comment ça va être beau. Oh, ils ont déjà des statues, nos citoyens. Très belle statue. Qu'est-ce donc? Oh, un hoplite. Un hoplite très pixelisé, mais qui a le mérite d'être modélisé. Ok. Bon, bah, il faut attendre que ces gus arrivent là-bas. Mais bon, je pense que l'épisode sera terminé. Cette mission, on va attendre de... Ouais, c'est trop tard. Je suis désolé, on n'aura pas fait de mission. Cet épisode, on la fera quand on aura... Bah, au prochain. On aura terminé ce royaume au prochain. Il sera terminé. On embrayera directement sur le suivant. Comme ça, voilà. Ça vous fera pas attendre. Et je suis à 99,2. C'est pas bon, ça. Je suis pas à 100%, je vais dire, là. Regardez-moi comment ça pousse. Très touffu, par ici. Hein. Eh, voyez ? Eh, ça pousse tout seul. C'est vraiment, là, je suis très fier de cette ville. C'est peut-être... La ville que je trouve la plus jolie depuis le début. Mais sérieusement, sans vous mentir, je la trouve vraiment, mais c'est super joli. C'est, avec les petites lanternes, c'est très accueillant. Moi, ça me donne vachement envie de vivre. Bon, bien sûr, on n'est pas à la même époque, mais vous me comprenez, quoi. C'est comme les gens qui disent qu'ils ont envie de vivre dans une apocalypse. Enfin, dans une invasion de zombies, quoi. Moi aussi, finalement. Mais je ne sais même pas pourquoi je prends cet exemple. Mais ouais, c'est pour vous illustrer un petit peu, quoi. Ah, ils ont fini de construire un domaine. Et là, on arrive vers une zone plus attractive, puisque proche de la mer, forcément. Donc, résultat, ça attire un public. Enfin, pas un public. Comment dire, une catégorie plus aisée. Forcément. Je déconne. Oh, putain, lui, il prend les armes. Ah, c'est bien, il a compris. Est-ce que ton libre arbitre s'est amélioré, Jean-Guy? Wolfgang, pardon. Oui, ça remonte, mais c'est pas tout à fait ça. Pour l'instant, tu te sens un petit peu... D'ailleurs, on va te caresser un petit peu. Alors, comment ça va? Je participerai à la construction de bâtiments si souvent que possible. Oui, mais tu peux faire autre chose. Regarde, tu pouvais te muscler aussi, parce que
Tu fais peut-être le bien, mais ça veut pas dire que... Bon, hein, faut que tu sois en forme. Bah tiens, t'as qu'à divertir la pop. Oh, bah, la pop. Divertis la pop. J'aimerais bien juste te voir d'ailleurs en parlant de pop. Combien j'ai de... Pop. En parlant de pop. Population, ratio homme-femme. Ratio homme-femme, j'ai environ 500 habitants. Ce qui est une bonne moyenne. Et plus que 2000 de prestige. Ah, ça descend. Regardez-moi ça. Ça descend. Ça descend, ça descend. Enfin, mon prestige augmente et le prestige requis pour capturer. Mince, il y a tellement d'informations que je ne vois plus. Attendez, on va se décaler un petit peu. Pour capturer Miyama. Miyama, voilà. N'arrête pas de descendre. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, on va se laisser là-dessus, les amis. On va se laisser là-dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, cette construction d'un nouveau quartier. Je vous invite à prendre exemple sur celui-ci dans vos parties. Hein. Le mec qui se prend pas de la bête. Non, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous et portez-vous bien.